Donc, rebonsoir les jeunes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Ça Ça va, va ça très. va. Ça va, où ça va, Dita? Comment Ça va, ça cela? va. Ah, très bien, Malik. Qui ça va, monsieur? Monsieur, ça va, alors là. Alors, on peut l'accepter. Ouais, je m'entends comme je suis arrivé sur ces combats, mais vous n'avez pas de stage de terrain de les semaines. نحن Non. هنا أنا لا وقع لك بور لي ماستر Ah. لا بريوريتي تاع لي ماستر Ah, priorité pour les masters. Parce que après وي les recherches minières, عندهم. J'étais aujourd'hui à ما Bebzia. يروحوش بقيت Mais alors, تكمل ما يروحوش وما نعرف بالك يروحوا حنا درنا مع مسيو مايزي قالنا لي ال 3 لا بريوريتي لي ماستر ما priorité عندكمش les masters. Peut-être que là, le Covid, qui est bizarre, ايه vous êtes nombreux, mais chez les masters, ils peuvent les surveiller. Peut-être que c'est pour ça. C'est pour cela qu'ils ont annulé les stages. Bah, allez, je connais un combat fait le master, Inch'Allah, vous aurez le temps de casser la routine avec les stages de terrain. Demain, mais là, il y a un. Ok, ben, puisque vous n'avez pas de Osmo, donc tout le monde est là, donc il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde est là, tout le monde est présent. Je vais partager l'écran. Les jeunes, s'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à me suivre, vous me le dites. Hein. Il y a comme des problèmes de connexion là. Vous n'arrivez pas à m'entendre, vous me le dites. Hein. Ok. Ok, donc je vais partager l'écran comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc on partage. C'est la dernière fois les réflecteurs inclinés. Déjà, vous arrivez à voir le diapo. ماشي انا اشوفه Très oui bien, monsieur très bien. Donc, on s'est arrêté la dernière fois sur les réflecteurs inclinés. Donc, on a vu que pour un réflecteur incliné, donc, on étudie le réflecteur incliné qui m'a raconté parce que des fois, vous avez ça. Donc, ça, il faut les mettre dans vos têtes. Des fois, le fluide, il se piège ici. Donc, il se piège sur des réflecteurs inclinés. Des fois, le fluide se piège ici. Donc, le fluide est piégé sur un réflecteur incliné. Donc, vous pouvez dire, par exemple, que les réflecteurs inclinés peuvent être des pièges. Des pièges à hydrocarbures. Hydrocarbures. Voilà. Hydrocarbures ou là, d'autres types de fluides. Là, donc, pas forcément, j'ai choisi les hydrocarbures parce qu'on utilise 80-90% des dépenses dans le domaine pétrolier est associé au piège à hydrocarbures, est associé à la prospection des fluides de type hydrocarbures. Les gens qui font du domaine pétrolier, l'eau ne les intéresse pas. C'est plutôt les hydrocarbures ou bien les gaz. Donc c'est pour ça que j'utilisais le terme, mais ça peut être d'autres types de fluides thermiques. Donc c'est-à-dire des fluides avec des viscosités différentes. Donc ça c'est en premier lieu. Donc maintenant comment détecter cette inclinaison, ce réflecteur incliné, comment on l'étudie par la sismique réflexion ou comment
on traite les données de sismique réflexion lorsqu'on est en présence d'un réflecteur incliné, tout simplement en supposant, y aller en théorie, on commence, donc on commence par la théorie, donc on développe les choses théoriques et puis après on compare avec les données qu'on a sur le terrain. Donc ici on suppose que EA, E'A est égal à VTA, donc c'est une distance, donc c'est une vitesse fois un temps, donc la vitesse fois un temps datée comme la distance. Donc header à noter, voilà. Donc header la distance est égal à donc est égal à V fois A. E prime B, pardon, retenez, plutôt c'est ça. E prime A qui est égal à VTA. Vous aurez aussi, hop, E prime B, voilà, qui va être égal à VTB, V fois VTB. Et on a vu E prime, head, la distance qui est égale à 2 fois H. Donc ça, c'est les conditions qu'on pose dès le départ. Dès le départ. Chefna, pourquoi on étudie E' A et E' B? Et le suite tout. Donc je vous ai montré que, au fait, si j'ai choisi une des deux, c'est la même chose. Donc où on a appliqué le premier triangle Hada, il y a que tu E A E prime, ou la E prime E A, fait le triangle, est le même, et les mêmes, c'est les mêmes définitions que, ou c'est les mêmes suppositions, c'est les mêmes contraintes que je vais appliquer pour le deuxième triangle. Donc, là, de la distance à dire E prime A, là, tu vois, là. Donc, cette distance, au fait, cette distance est égale à ça, est égale à cette distance, voilà, là, dit, là, de la distance, plus. Plus, voilà, plus cette distance. Plus cette distance. Et si vous voyez bien, vous allez trouver que cette distance, là, que tu fais un hadi, est égale à celle-ci. Est égale à celle-ci. Est égale à celle-ci. Donc cette distance et cette distance sont égaux. Elles sont égaux. Donc en fait, E'A, même si le point E', il est fictif, qui mentionne la dernière fois, donc cette distance, en quelque sorte, restitue le trajet durée de la source, voilà, durée émise et réfléchie. Donc de la source au récepteur, voilà. Donc cette distance traduit celle-ci. Donc il suffit d'étudier E'A pour avoir une idée sur le réincident et le réafflet, c'est-à-dire le parcours. En termes généraux, le parcours de l'onde. Donc E'A résume. Donc E'A, si je l'écris ici. Donc E'A, par exemple. E'A résume. Résume le parcours de l'onde. De l'onde, bien sûr, émise. L'onde émise plus réfléchie. Plus réfléchie. Voilà. Du point E, pour que vous n'ayez pas de problème, du point E au point A. Donc pour E'B, est la même chose, donc elle résume, c'est exactement la même chose, donc voilà, résume le parcours de l'onde émise, voilà, hop. Donc c'est exactement la même chose, seulement du point 1, du même point. Donc on est sur le moins point d'émission, le même point d'émission. Donc on utilise la même source pour les deux géophones au point B. Donc à partir de là, donc si on pose ces conditions, ces trois conditions, Hadoma, si on pose ces trois conditions, je vais avoir il faut faire attention, c'est dans E'B, c'est dans E'B, il vient VTB au carré. Donc si je prends ce triangle, hop, voilà, donc dans E'B,
E prime B, voilà, هذا التريونغل هذا, هذا التريونغل. Donc, هذا التريونغل, donc cette distance en quelque sorte, donc VTB au carré, هذا la distance, va être égale à cette distance, 2H, 2H au carré, voilà, plus XB au carré, voilà, XB au carré, moins 4H cosinus 90 plus alpha. Donc là, c'est cette distance au carré, mais il faudra ajouter aussi l'effet de l'inclinaison LH, qui m'a dit comme, c'est-à-dire que on utilise la relation, le quinquennat triangle rectangle, il y a un triangle rectangle, donc j'aurai ça. J'aurai ça. J'aurai ça. Donc pour un triangle rectangle, vous aurez ça. Hop, oh, pardon. Voilà. Hop, oh, pardon. Donc pour un triangle rectangle, vous aurez par exemple cette distance au carré. Donc c'est. Donc là, de la distance, si j'appelle ça x, et là, h. Et ici, je vais appeler cette distance-là. C'est bien, les gens. À la distance que je vais appeler, par exemple, je vais appeler, par exemple, B, B. Donc, vous aurez B carré est égal. Donc, ça, c'est de la trigonométrie plane. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que vous avez vu en terminale ou en première Pythagore. Voilà, la relation de Pythagore. Donc, B au carré va être égal à X carré plus H carré. Plus H carré. Plus h carré, voilà. Mais ici, un réflecteur incliné, vous aurez aussi l'effet de l'inclinaison, c'est-à-dire le triangle va faire ça, en quelque sorte, à peu près. Pardon, voilà, je vais essayer de... Donc il va faire ça. Donc ici, vous n'allez pas avoir un triangle rectangle sur ce point, mais vous aurez aussi l'effet, vous aurez à calculer aussi plus l'effet. Donc ici, sur ce cas, donc plus l'effet, oh pardon, donc plus l'effet, je vais... Donc ici, dans ce cas, vous aurez... Donc ici, c'est plus, dans le deuxième cas, plus l'effet du pondage. Du pondage, c'est-à-dire l'effet de alpha, de l'angle alpha, de ce pondage, l'effet du pondage. Donc l'effet du pondage, là, il est bon. Il est bon, là, les gens. L'effet du pondage. Donc, on n'est pas en train de développer les formules, juste essayer de les comprendre. Donc, là, il y a l'effet du pondage. Voilà, là, l'effet du pondage. Donc ça, ça, c'est l'effet. Effet. Voilà, l'effet du pondage. L'effet du pondage. Où je mets un pondage? Pondage du réflecteur. T'as l'angle alpha. Pondage à deux. Voilà. Pour un réflecteur incliné, t'as l'inclinaison. Le pondage ou l'inclinaison, c'est exactement la même chose. Donc l'effet du pondage. Comme ça, vous n'aurez pas de problème bête. Voilà, effet du pondage. Inclinaison. Voilà. Ou c'est-à-dire. C'est-à-dire. Voilà. Inclinaison. Donc vous voyez ici, vous avez la distance 2h, voilà, la distance xb, et plus bien sûr l'effet du pondage que j'ajoute ici, voilà, pour ce genre de trigonométrie. La même chose, je fais exactement la même chose pour le deuxième triangle, donc le deuxième triangle téaolique, hop. Voilà, donc le deuxième triangle, voilà ce triangle-là, voilà. Donc je fais exactement la même chose pour ce deuxième triangle, l'actuophona, haoulik, haoulik, voilà. Donc pour ce deuxième triangle, je vais avoir exactement la même chose ici, donc voilà la formule. Donc VTA au carré est égal à 2H carré plus XA moins 4H XA cette fois-ci
Voilà. Moins 4HXA, cosinus 90 plus alpha. Voilà. Pour ce deuxième triangle. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que là j'ai inversé. Là c'est B. Hein. Là vous avez compris que c'est E, E' B et là c'est E' A. E'A. Donc vous corrigez le PDF. Maintenant, après transformation et en soustrayant, donc il y a des formules mathématiques à développer. Donc après quelques légères transformations et en soustrayant cette équation de celle-ci, je vais avoir cette équation. Donc je fais le sinus alpha à la sinus alpha tout simplement parce que là, lors de votre transformation, vous allez supposer, on ne suppose pas, il y a, on le sait, hein, on le sait. On sait que 90, cosinus de 90 degrés, 90 degrés plus alpha est égal à sinus alpha. Donc j'ai pas de alpha sur le donc c'est barida. Comme tu fais moi. Donc sinus alpha. Donc ici, si je mets par exemple cette équation, toute cette équation. On va refaire le truc. Donc, si je prends toute cette équation AD, par exemple, c'est mis à 1, c'est mis à 1, on a l'équation deuxième AD, c'est mis à l'équation gars, AD gars, tel un A, AD l'équation c'est mis à 2, c'est mis à 2, par exemple. Et si je mets, par exemple, ici, 1 moins 2, l'équation 1 moins l'équation 2, vous allez avoir à la fin ce genre d'équation. Voilà. Genre d'équation. Donc, comme 2h, donc 2h et 2h, il y a comme xb au carré moins xa au carré, moins 4hxb, on a cosinus 90 degrés plus alpha unique moins sinus, donc c'est plus 4hxb sinus alpha, et moins 4hxa sinus alpha. Sinus alpha, oui. Sinus alpha. Donc, si je sors le 4h sinus alpha en facteur, il y a écrit xb moins xa. Comme il faut faire attention, c'est pas machin sinus alpha fois xb. L'angle machin hada, faites attention, c'est une distance, l'angle machin hada, l'angle haolik, l'angle alpha. C'est sinus alpha fois. C'est-à-dire que cette équation, faites attention à ça. Faut pas vous tromper. Donc, l'équation, comme ça. Je peux dire que c'est plus 4h, voilà, hop, 4h, xb, moins xa, sinus alpha, sinus alpha. Parce que sinus, c'est un angle, maintenant, sinus, c'est une distance, mais t'existe, j'ai dit sinus, donc sinus, un angle alpha, sinus alpha, voilà. Donc faites attention à ça. Donc, mais en tous les cas, netban, donc si je veux sortir sinus alpha en facteur, je vais avoir cette équation. Je vais avoir cette équation. Donc, c'est V carré, TB au carré. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste la même équation que je redéfinis. Donc, en fonction de sinus alpha, donc je fais sortir le sinus alpha. Donc, je calcule en quelque sorte l'inclinaison ou le pondage du réflecteur. Donc je vais essayer de le déterminer ici. Et là, vous aurez V au carré, TB au carré, moins TA au carré, sur 4H, XB moins XA, moins XB plus XA sur 4H. Donc ici, vous voyez que le réflecteur Naya, donc il est en fonction de la vitesse. Donc si on suppose que le milieu est homogène isotrope, donc il est en fonction de cette vitesse. Ça. Cette vitesse, et non pas celle-ci, non pas du deuxième milieu, la vitesse du premier milieu, là où se passe la réflexion. Même s'il est dans le deuxième milieu, mais il est fictif, maintenant le trajet il est fictif, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc c'est un trajet fictif, mais qui fait que cette distance est égale à celle-ci. La même chose ici. Cette distance est égale à celle-ci. Donc le point E' est un point fictif. Faites attention, le point E'ADA est un point fictif. C'est un point fictif. Fictif. Donc c'est l'image, le point E' est défini comme l'image de E dans le deuxième milieu. Voilà.
dans le milieu de. Dans le milieu de. Donc ici, on aura cette équation. On aura cette équation. Et puis si on aura cette équation, maintenant, je peux poser ces transformations. Je vais supposer que TB moins TA est égal à delta T. Et je vais supposer aussi, donc delta T, c'est le delta θ. Delta T, c'est le normal mouvant. Donc c'est le delta T, les moyennes, c'est bon, donc delta T. Et vous aurez aussi TB moins TA sur 2 qui est TM. TM qui veut dire TM. TM définit quoi? Va définir un temps moyen, ce qu'on appelle une moyenne. Donc c'est une moyenne. Voilà. Une moyenne temporelle ou un temps moyen. Ou un temps. Ce qu'on appelle un temps moyen. Donc là, si je fais mes transformations, je vais avoir sinus alpha en fonction de V. En fonction de V, en fonction de delta T, qui m'occupe là, en fonction de TM, et en fonction des distances, et en fonction de H. En fonction de H. Donc vous voyez un petit peu. Donc vous voyez aussi que la valeur du réflecteur, voilà, sinus alpha est en fonction des distances XB, XA. Donc XB, XA. Donc les distances, le choix de la distance vous donne une idée très précise du réflecteur du sinus alpha, c'est-à-dire de l'angle de réflexion. Donc si par exemple si vous choisissez des distances trop grandes ou trop petites, donc vous pouvez avoir des calculs qui feront que l'incertitude sur la valeur de alpha sera très élevée. Donc il faut choisir une distance de telle sorte que vous aurez l'angle alpha qui est le plus sûr possible. Donc là on peut aussi, c'est-à-dire pour un petit peu simplifier les calculs et poser le problème d'une manière plus simple. Donc on peut poser, qu'imagine si xa est égal à 0, donc on peut poser un géophone, on le place en offset, qu'imagine là, on le place en offset, ou juste à côté de l'émetteur, voilà. Donc on place. Donc on place un géophone. Donc on place un géophone près de la source. Près de la source. Donc, ce qui veut dire que XA est égal à 0. Voilà. Donc si XA est égal à 0, donc je vais remplacer XA de 0, par 0 dans cette équation, donc celle-ci. Hop là. Je vais remplacer ici. Donc ici, je vais remplacer XA par 0. Donc, le terme est roh. Ce terme-là aussi, donc ça en va. Et je vais avoir, et aussi, bien sûr, si je remplace XA par 0, qui m'a fait 9 les cours précédents, donc le H va être égal à VT sur 2, qui m'a fait 9 le graphe. Le graphe, donc si X, je place X, voilà. Donc T. Si je mettais en fonction de la distance x, donc on a vu que pour x qui tend vers 0, voilà, on est en offset, on a juste très près Monsieur, Oui. c'est pour qu'on a sinus alpha deuxième. Yeah. Oh, ah oui. Sinus alpha deuxième, pourquoi madrt delta t est égal à 2, delta t au carré ou delta t 1? Dans les deux, là, non. Allez, je tombe bien sûr. Delta t au carré. Là, non, sinus alpha deuxième. Yeah. Delta t fois t 1. Delta t fois Delta t. t. Bien sûr, delta t fois t. Mais là, شوف علاش مليح. درت 41؟ Et t1, شوف مليح هنا, شوف مليح واش عندك. عندك هنا, شوف تبعه. إلا ماشي ماشي إلا ما وصل ما قول لي. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez tb moins ta. Tb moins ta. Tb au carré moins. Moins TA au carré,
سمحوا لي، سي اون كيسيون بيرتينون. سي تي بي بلوس تي ا لي جون، سمحوا لي، سي بلوس تي ا، سي بلوس تي ا، وي سي بلوس تي ا. هنا تي بي موان تي ا او كاري، دونك سا سي اون كيسيون. يعطيك الصحة عن باك او موان، باسكو يا ان بلوس كي ناباري با ايسي. دونك ايسي سي بلوس، سي بلوس علاش؟ سي بلوس باسكو ايسي فوزافي تي بي. تبعني مليحة، تبعني مليحة. vous avez TB هكذا، TB TB au carré هكذا، TB au carré moins moins TA moins TA au carré. très bien، moins TA au carré. هذه تقال à quoi؟ شو تعرف انت ما في الليسي؟ هذه تقال à quoi؟ تقال à TB هكذا، قرب معي moins TA هكذا هكذا fois TB plus TA. donc vous pouvez remplacer ce terme، ce terme TB moins TA au carré par ça. كيف 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 كيف. دونك سي فو رومبلاسي تي بي او كاري موان تي ا او كاري بار تي بي موان تي ا بلس تي بي بلس تي ا، اي بي سي سي فو سي فو ميتي تي بي موان تي ا كي ايتيغال ا دلتا تي، تي بي موان تي ا، اي تي بي بلس تي ا هنايا دونك سور دو ايتيغال ا تي ام، دونك فو زالي تومبي سور سيت ايكواسيون هنا. فهمت ا بيبر تما تي بي بيسيو، تما تي بي بلس تي ا هي تي 1. شوف تي بي، تي بي تي بي بلس تي ا سور 2، هادي سي اون موين، هادي سي اون موين. دونك ايتيغال تي 1، ايتيغال تي 1، اي تي بي موان تي ا ايتيغال دلتا تي. دونك هنا هنا كلي 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 هذا، كلي هذا تكتبو، كلي هذا تكتبو دو سورت افوار دلتا تي، دلتا تي هكذاك معايا، دلتا تي فوا فوا باردون اوب دلتا تي هو دو فوا تي ام، دو فوا لا موين، دو فوا تي ام هاك داكور. هاد دونك سي فو رومبلاسي ايسي سيت فالور دو وش هوريزمون كو فو مليدي، اون تو لا كاي لي كوريجي من بعد باسكو كاين ان ديفلوبمون من بعد، مي هوريزمون كو فو لافي دي هنا تي بي تي ا كاري هنايا. دونك بوفي لو رومبلاسي بار سا، بار سيت اكسبرسيون هنايا. هنايا vous pouvez remplacer هاد هاد هنايا، voilà voilà ça ça par ça. et si vous remplacez ça par ça vous allez tomber sur cette équation ici، une équation de cette sorte. fixe bien mais tu peux pas ou علاش ولات 2؟ لا نو علاش ولات 2 باسكو عندك xb plus xa sur 4 واش سموها عندك هنايا، vous aurez tb plus ma bon tb plus ta sur sur 4 sur 4 sur 4. Donc 2 fois TM هنا تومبلاسي. donc le 2 مع le 4 يروح، بقى لك 2 من تحت. فهمت لا؟ très bien très bien. OK donc les jeunes si vous n'arrivez pas à voir vous me le dites hein. donc vous aurez ici et puis si je continue donc je vais avoir une relation entre en fonction c'est-à-dire l'angle en fonction de la vitesse de la différence le normal mouvement la du delta t d'un temps moyen du temps moyen de la distance bien sûr entre les en fonction de la distance entre source et chaque géophone et à partir de là je vais poser mes conditions cette fois-ci. donc ça c'est pour deux géophones placés à une distance quelconque voilà bien sûr la distance elle est quelconque mais qui montre comme il faut bien choisir les distances pour avoir pour avoir la meilleure valeur de alpha possible. voilà يعني vous choisissez une distance où il y a comme un triangle là il y a comme un triangle de cette sorte où vous avez de la réflexion aussi. oui مش انا درت اكس اي تيغال ا 0 احنا عندنا الا تاعنا بعيد على الاوفسيت. لا لا شوفي هنا الا بعيد على الاوفسيت هاوليك هاوليك دونك هاد ليكواسيون هاد يعني مسحت درت ايه دسني نروحوا بالعقل. شوفي هاد ليكواسيون قبل، شوفي هذه هنايا، هاد ليكواسيون هنا، هاد ليكواسيون بور جو في لا ديفينيغ ايسي هنا بور جيوفون دو جيوفون فوالا دو جيوفون بيان سور ما كانش ثلاثة ما كانش واحد دو جيوفون اكس ا اكس بي فوالا اكس بي نقولو كيلكونك نقولو كيلكونك فوالا كيلكونك هكذا كيلكونك بوا معليش كيلكونك فوالا دو جيوفون كيلكونك هكذا
pour deux géofonds quelconques. Maintenant, la deuxième étape est de généraliser cette équation pour un géofond placé au centre. On a un problème. Donc, on est toujours sur le même. C'est-à-dire qu'on va travailler que sur le triangle E, E' et B. C'est comme si que je travaille que sur une seule réflexion, là. Sur une seule réflexion. Donc, le géofond A, je vais le placer. Le géofond A, je vais le placer tout près de E. Si je le place tout près de E, donc je vais avoir qu'il y a un seul triangle bloc. Donc, quel est le triangle? Donc, je vais simplifier les calculs. Donc, là, qu'il y a un triangle E, A, B et E'. Donc, si je place A le plus près possible de E, donc je vais supposer que XA, bien sûr, est égal à 0 ou la tend vers 0. On l'attend vers 0, donc c'est à peu près la même chose. Maintenant, XB, il est très, très. Maintenant, XB, si je veux être plus explicite, maintenant, XB, il est très, très grand devant X, XA. Donc, qu'il est XA, je peux le négliger. Là. Donc, je le néglige. Donc, je néglige XA, donc je suppose qu'il est égal à 0. Donc, je vais le négliger. Voilà. Je suppose qu'il est égal à 0. La même chose ici, je le néglige ici. Voilà. Je le néglige ici. Et ici, qu'est-ce que vous avez aussi? On sait, ça on le sait. Si je reviens à mes premières équations, je sais que, Anaya, je sais que tout près de n'importe quel que soit le mouvement, parce que là, mazal ma bench l'effet du pondage. Quel que soit le réflecteur Terry, quand x tend vers 0, vous allez avoir. Hop, je vais attendre que la notation G. Donc, quel que soit le mouvement, donc pour x est égal à 0, je vais avoir, voilà. Je vais avoir. Donc, ici, pour x qui est égal, il y a un étant vers 0, j'ai quoi? J'ai t qui est égal à combien? Égal à 2h 2h sur V. Donc ça on l'a vu. Donc pour x est égal à 0, t va être égal à 2h sur V est égal aussi à t0. Voilà. C'est-à-dire le temps origine. Donc si je reviens et j'utilise monodochrone et j'utilise mon holodochrone, je vais avoir tout simplement ici H qui va être égal à VTE sur 2, puisque X est égal à, plutôt T, est égal à 2H sur V. Donc c'est TE, j'appelle ça TE, la T origine, donc c'est la même chose. Donc, delta TE, l'opérateur a changé de TE, tout simplement parce que ici, le temps origine ici, on le confond à un réflecteur incliné. Donc, cette pente d'origine associée à notre modèle de à notre modèle de à notre modèle structural, une autre structure. Donc ici, c'est pour ne pas confondre avec le T0 origine pour un réflecteur horizontal, un réflecteur horizontal, tout simplement. Mais c'est exactement la même chose. Donc, il a la définition d'un temps origine aussi. Donc, c'est un temps qui est associé à pardon, un géofond ici, donc c'est un temps TE qui est associé à un géofond placé tout près de la source. TE, voilà. TE. Donc si vous placez un géofond qui est maintenant tout près de la source pour ce genre de réflecteur, vous allez calculer un T, un temps d'arrivée de l'onde, ce qu'on appelle TE, un temps origine. Voilà. Donc vous allez calculer un temps origine. Yani, le temps origine, il y a le temps origine puisqu'il est tout près. Donc, il y a le temps origine, c'est la vibration de la soit l'explosion de la dynamite, ou là, le temps origine, oui, je vous dis tout les modes de vibration de la. Donc, vous pouvez aussi le confondre à ça. Donc, oui. Donc, si je continue, si je remplace x par 0 et h par vte sur 2, v, maintenant, ça, au chat, v, c'est ça, les jeunes. Bah, écoute, toi, v, allez. Allez. AOV, Shehada, Hada c'est V2, c'est une autre couche avec une autre vitesse, voilà. Donc V et V2 sont différents, voilà.
Sinon, maintenant, tu as une réflexion. Il y a comme des vitesses différentes pour avoir une réflexion. Donc, si je remplace, je vais avoir sinus alpha. Donc, en quelque sorte, je simplifie les calculs. Donc, je vais avoir sinus alpha qui est égal à V delta T fois TM sur TE, le temps origine, voilà, pour notre cas, fois XB. Donc, je n'ai pas besoin en quelque sorte de osmo. Donc la distance va dépendre seulement du deuxième géofond, donc XB sur 2 fois VTE. Voilà, donc XB moins XB sur 2 fois VTE. Donc, à partir de là, donc en connaissant les distances XB, puisqu'on a la belle conquivation le pondage alpha. Donc on connaît XB, qui est là. Donc XB, on le connaît, la distance, bien sûr. Tout le monde est le géofond. Donc tu as la distance source et géofond. Donc surtout si le géofond est associé à une donnée GPS, à une balise GPS, donc vous avez les coordonnées du point B. Donc si vous avez les coordonnées du point B et les coordonnées du point A, donc XB, il est connu. XB, il est connu. Les temps aussi, delta T et T1, on les calcule, donc ce sont connus. On connaît le temps TA et TB, donc c'est connu. Le temps origine aussi, il est connu. Donc ça, il faut le savoir. Donc le temps origine aussi, il est connu. Donc il y a un géofond juste tout près de la station. Donc il y a comme le temps origine, où là directement, puisque le point E et le point A sont confondus, donc directement, le temps TA, comme les modes de vibration. La vitesse, vous la supposez, vous donnez une vitesse au milieu. Vous supposez, de par la géologie, donc V aussi, elle est connue, de par la géologie, donc vous pouvez avoir la vitesse V. Et à partir de là, à partir de ça, je peux aisément avoir la valeur de l'angle alpha, la valeur de l'angle alpha. C'est-à-dire le pondage, voilà, le pondage du réflecteur à l'incliné. Donc ça, c'est la première méthode pour calculer le pondage alpha. Donc vous voyez que la vitesse qui est comme connue, qui est comme une vitesse connue, je m'attends. Qui est comme V connue, c'est ce qu'on fait dans le domaine de la modélisation. C'est ce que vous allez trouver, lorsque pour les gens qui veulent faire de la prospection pétrolière ou qui veulent travailler en sismique, c'est-à-dire que V connue en pratique, V connue, je m'attends, V connue en pratique, donc connue en pratique. On pratique cela. Cela veut dire que je donne un modèle de vitesse. Tu mets un modèle de vitesse. Bien sûr, mais tu mets tout d'abord le modèle de vitesse. Vous ne le donnez pas Agda d'une manière quelconque. Voilà. Ou là au hasard. Parce que vous connaissez la géologie. Vous êtes des géologues. Donc les données de surface, les données des géologies de surface, les données de puits peut-être, de forage. Les données d'autres méthodes de géophysique peut-être peuvent vous donner une idée sur le milieu, sur ce milieu. Donc, vous allez donner, le milieu, vous allez dire que ce milieu est surtout composé de calcaire. Donc, le calcaire, tu as l'Albien, ou la calcaire, tu as le Cambrien, ou d'autres matériaux. Donc, vous allez donner une vitesse moyenne. Quand le calcaire, tu as l'Albien, une vitesse moyenne à peu près à l'Agda. Donc, si on suppose que cette couche est à dominante calcaire, donc je pose cette vitesse et à partir de là, je restitue le pondage. Donc je vais essayer d'approcher la valeur du pondage alpha. Voilà. Donc ça, c'est en premier lieu. En deuxième. Monsieur, Oui. donc, dit à VTE, qui connaît le géofond, dame le E. Absolument, absolument. Donc ça, Ah. c'est en général, mais en particulier, qu'est-ce qu'on pose en particulier? Toujours un géofond qui la source. C'est ma question, géofond qui est la source. Quand vous mettez un géofond à côté de la source, vous n'êtes pas besoin d'ajouter un autre géofond. Vous voyez un petit peu? Donc Oui. la position du deuxième géofond vous suffit pour calculer le pondage. Donc vous n'êtes pas obligé d'ajouter. Parce que généralement, en prospection sismique, on place toujours un géofond juste à côté de l'émetteur. Donc la donnée vous sert à calculer le pondage sans avoir recours à ajouter un autre géofond. Donc le géofond de la source, le deuxième géofond, vous indiquera d'une manière approximative la valeur du pondage alpha.
Donc, vous donnerez une idée sur le pondage à partir de cette formule. Lorsqu'on place un géofond à côté de l'émetteur, c'est que les formules se simplifient. À coup de les formules là, les formules là se simplifient. Je trouve qu'il va être la formule maloule. Voilà. Et puis après, vous voyez la deuxième formule qui est un petit peu plus simple ici. Qui est un petit peu plus simple. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, très bien. Ou le deuxième dessin, on applique la loi qui connaît le géofond le E. On va voir le deuxième cas. Le deuxième cas, très bien. Le deuxième cas, il est encore plus simple que celui-ci. Donc, on a le cas compliqué. Le cas compliqué, le deuxième cas, il est plus simple. Le deuxième cas, il est plus simple. Deuxième cas. Donc plus simple par rapport au premier cas. Par rapport au premier cas, le cas à date fort. Le cas à le premier. Le cas à date fort, pardon. Donc sur ce cas, tout simplement ici, on va placer, on place les géofonds à gauche. Les deux géofonds. On place les deux géofonds. On place. Les deux géofonds de telle sorte à avoir un géofond à gauche de du point de tir. Je vais utiliser les termes en sismique, hein, du point de tir. Je mets le point de tir en les jeunes maintenant E. Donc vous avez compris. Donc au point de tir, allez, je prends le tir, ce soit de la dynamite, soit du vibro size. Donc au point du tir, puisqu'à la base, il y a peut-être la prospection sismique de la dynamite, donc la première appellation du point source, on appelait ça le point de tir. Donc on bat les géophysiciens ou les géologues pétroliers ont continué à utiliser ce terme. Donc on va placer un géophone à gauche du point de tir, donc géophone à Hanaya, à Géofa et je place le deuxième géofond à droite du point de tir du point de tir c'est-à-dire géofond géof d qui marque tout point comme vous le voyez sur cette image. Voilà, donc je place un géophone ici et je place un autre géophone ici. Voilà, le premier géophone, je le place à gauche du point de tir et le deuxième, je vais le placer. Allez, c'est-à-dire que la meilleure géométrie, il y a une géométrie ou il y a une disposition de géophone qui vous donne la meilleure valeur, la meilleure approximation possible de l'angle alpha. Donc ici, c'est une autre méthode pour calculer le pondage alpha. C'est-à-dire que là aussi, on va travailler sur des géométries plus simples que celle-ci, que la première. Donc là aussi, on aura toujours le E' qui est l'image de E. Mais cette fois-ci, je peux faire les calculs. Donc à partir de là, je vais le généraliser pour les cas particuliers, pour ce cas. Donc ici, si je suppose cette disposition, donc ici, vous allez... Et si je suppose aussi Kimakuchufolana, comme vous le voyez ici, si je suppose que EA est égal à EB, est égal à X, je m'attends maintenant, les distances entre les deux géophones sont égaux. Là, elles ne sont pas égaux, mais généralement, elles les placent ici. Donc, elles les placent ici. Donc, si je suppose aussi que le B à Wanaya, donc X, donc EA. Monsieur. Oui. Monsieur Tsmaï, il a fait AE et EB. Alors, il en a le même pas où il y a un égal des deux mains. C'est maintenant que je suis à Bac. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre? Je ne vous ai pas entendu. Il a. Oui. Il a qu'un abîme AE et EB. Alors, il voulait un peu le même qu'à l'idée de la main où il y a été un milieu homogène.
لا نو نو ما يكونش عندكم لو ميم باسكو هنا تكون عندكم توجور دي ديستورسيون تاع طون باركور ماشي كيف كيف باسكو عندك ان بونداج هنا فات اتونسيون ا سا عندك ان بونداج يعني معناتها ميم سي فو افي ايسي ميم سي فو افي لي ميم علاش خليت بالعاني لو بوان بي داروه لكم هنا باش تشوفوا مليح لا ديفورماسيون باسكو ميم سي جو لو بلاس ايسي ميم سي لا ديستونس او ا est égal à EB, par exemple, point B, normalement, il connaît là. Vous n'allez pas avoir les mêmes, les mêmes, le même, le même ré réfléchi. Voilà. Le ré réfléchi, si je le place vraiment où il est, vous n'allez pas avoir une symétrie. Le triangle n'est pas symétrique par rapport à celui-ci. Faites attention à ça. Parce que l'effet du pondage, l'effet du pondage croît à chaque fois qu'on s'éloigne vous aurez l'effet du pondage qui va croître. Donc, faites attention. Donc, cette distance-là, cette distance-là n'est pas égale à celle-ci, même si elle est parallèle à cause de la symétrie, à cause du fait que les deux géophones sont placés symétriquement. Même si elle est parallèle, bon, mais vous aurez des temps de parcours qui ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire cette distance, elle est comme la distance à dire, la distance totale. C'est-à-dire que même si vous avez ça qui seront égaux, la distance, c'est-à-dire la distance de l'onde réfléchie, n'est pas la même. N'est pas la même qu'ici. Donc là, vous avez une émission Heilig, hop, vous avez une réflexion, voilà, une onde émise et une onde réfléchie. Là aussi, vous avez une onde émise, comme vous le voyez ici, une onde émise et une onde réfléchie, hop, voilà, une onde émise et une onde réfléchie. Mais la réflexion, là, l'onde réfléchie ici, là, l'onde réfléchie ici sur le point pour le géophone A est différente que de l'onde réfléchie pour le point B. Faites attention à ça. Ils ne sont pas égaux. Donc les temps de parcours vont être différents. Donc faites attention à ça, les jeunes. Donc c'est pour ça que en quelque sorte c'est fait exprès de mettre le point B ben tu es je mais c'est pas la même chose. C'est fait exprès pour voir que ce temps de trajet n'est pas le même que celui-ci. Voilà. Maintenant, c'est ce que j'ai compris, hein, parce que c'est-à-dire que sur le bouquin là où j'ai pris cette disposition, donc le géophysicien sismicien, donc il a fait exprès de mettre le point B à peu près. Sur une distance un petit peu plus lointaine, juste pour vous faire voir que serait réfléchi et différent de celui-là. Mais hajjal mliha fil calcul ta'na l'oul, même s'il est un petit peu plus compliqué, c'est que hadd calcul ta'na l'oul douka ma kan la n'aoudou l'hisab pour ce genre de disposition. Donc bhad le calcul hada, je vais le calcul, voilà, hada ou lahnaya, donc c'est pas la. Je vais prendre la formule générale de hadi. Donc à partir de ces formules, je peux développer, je vais développer la même, ou je peux utiliser la même méthodologie pour le deuxième cas ici. Donc si je suppose, si je prends EA est égal à EB est égal à X, donc c'est-à-dire que EA est égal à EB, voilà, pour ce cas, pour ce deuxième cas. Donc là, on est là. Donc vous allez avoir V au carré TA, donc c'est exactement le même raisonnement, qui va être égal à 2H carré plus X carré, puisque les X sont les mêmes, donc je n'ai pas la peine de mettre XA, donc XA, donc XA, je mets... Voilà, est égal à XB, est égal à X, tout simplement. Très bien. Et puis, vous avez 4H plus 4HA sinus alpha. Et vous aurez aussi, donc à partir de là, VTB, la même chose. Donc, vous aurez exactement les mêmes parcours. Vous le voyez ici. Les mêmes parcours, sauf que la seule différence, c'est que je suis en asymétrie. Alors, je crois que les raies ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le trajet n'est pas le même parce que vous aurez ici... Désolé, parce que j'essaie de ce mot. Donc, j'ai un problème à la... Voilà. Donc, la seule chose qui change ici, tu peux aller les gens là. Donc, vous me suivez là. Voilà.
La seule chose qui change ici, c'est ça. Donc, si vous choisissez par exemple que Hnaya, si vous dites que Hna, c'est le côté positif, ou Hada, c'est le côté négatif par rapport à eux, bien sûr. Donc, ou là, l'inverse, donc l'inverse, donc en tous les cas, vous aurez du positif ici, voilà, plus, et là, vous aurez un moins. C'est exactement la même formule, mais là, vous aurez à ajouter un 4H sinus X, 4HX sinus alpha pour A. Hop, voilà. Donc, c'est plus 4H sinus X pour ce géophone. Et pour le géophone en B, c'est-à-dire sur la deuxième facette, voilà, en opposé, vous aurez un moins. Vous aurez un moins. C'est la seule chose qui va changer pour B. Donc vous voyez que les formules se simplifient encore davantage. Donc pour cette disposition, je vais avoir à la fin, par soustraction, la même chose. Je vais appliquer exactement la même chose. On va dire 2h et roh, 2h ou x et roh, qui prenait le timbre, qui prenait 8h x sinus alpha. Donc vous voyez pour le deuxième, vous allez avoir V carré, TA au carré, moins TB au carré, est égal à 8HX sinus de alpha. Et sinus de alpha, qui m'a raccouché, voilà, va être égal à 100. Donc si vous placez, donc ça, c'est pour le cas où j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai un réflecteur incliné, j'ai une source d'émission E. J'ai une source d'émission E et j'ai ensuite un géophone placé à gauche de E, un autre géophone placé à la même distance, c'est-à-dire à droite de E. Donc à partir de là, vous pouvez exactement avec cette disposition avoir là aussi la valeur du pondage, pardon, hop, la valeur du pondage. Voilà, du pondage alpha. La valeur du pondage alpha. Donc pour le pondage alpha, la même chose. Donc là, Hajjal Mleha avec le. Avec... Monsieur, Oui. monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, on a posé la même question qu'à décrétera. Oui. Quand on voit un truc qui me touche, on est sur les 2, 4, 8, on va déboucher ou les 16. Donc on est dos Là, mais de chérie, géophone encore. là, mais oui, c'est ça. Pour calculer le pondage, vous n'êtes pas obligé d'ajouter d'autres géophones. Il faut le savoir. Parce que le pondage, c'est bon, mais là, qui c'est le pondage? On va tenir il a fait du pondage. Donc, deux géophones suffisent pour calculer un pondage. Vous n'êtes pas obligé de mettre une gamme de géophones pour calculer un pondage. Donc, les données de deux géophones suffisent pour calculer le pondage. Si j'ai compris la D'accord, question. monsieur. Donc, mais Sima, ولو كان عندنا زعما لو imagine كان يكون عندنا ريفليكتور واحد اخر بان اوتر بونداج من جهه واحده اخرى نزيدو لو كان يكون عندك ريفليكتور واحد اخر الو بونداج واحد اخر نقول انا ريفليكتور هكذا تبعني مليح ها ريفليكتور هنا كيسكو فوز آه عليك لو كان يكون عندك بليزيور شغل دي فاي ولا بس هنا كما قلت لك من قبل سي لو شوا من بعد سي لو شوا دو دير جيوفون كي نديرو شغال واسمو لا جيومتري ونبعتو ليه Non, pour un réflecteur, imagine avec un réflecteur, imagine avec un réflecteur, la surface du. Donc, je vais éliminer l'osmo, voilà. Et tu auras ça, et tu auras ça, et tu auras ça, voilà. À la surface du son, donc les gaps de géophones te serviront à calculer le pondage de l'alpha. Mais pour le deuxième pondage alpha que j'appellerai alpha 2, voilà, qu'est-ce que je vais faire? C'est une question intéressante. Qu'est-ce que je vais faire à ton avis? Est-ce que les données de ces deux géophones te servent à quelque chose, Anna? Les données normalement ne te serviront à rien pour le deuxième. Te serviront à rien. Donc soit tu fais une prospection. الا ما عندكش لي جوفون قال ما عند ما عندكش انتم الشركه تاعكم شركه وطنيه ما عندكمش دراهم ولا ما عطاولكمش عندكم دو جيوفون برك دونك tu ne peux pas ajouter de gap de géophone. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais une première
une première estimation du premier pondage, là, et puis qu'est-ce que tu fais? Tu prends la même source, tu prends le géofond, là, le B, le A aussi, tu le mets ici, tu le mets ici, voilà, tu le mets ici, et tu fais exactement les mêmes calculs pour le deuxième. Tu peux aussi, si tu veux choisir la même nomenclature, aussi changer le point de tir et le mettre ici. Ouais. Simple le truc. Donc pour le deuxième mouvement, il suffit de. Bien sûr, qu'il y ait une gamme de géofonds, après, si tu utilises de données BAD ou certain angle alpha qui n'est pas le même, donc tu comprends que là, tu étais sur des pondages différents. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il m'a je il m'a fait trop bien. معليش تعاود شيخ، استوى Imagine. هذا البوان انتيريسون. شوف ايماجين عندكم ان بونداج هنا ان بونداج اي با دو بروبليم دونك افيك سيت ديسبوزيسيون هاي ليك افيك سيت ديسبوزيسيون عندي الاخر عندي ال... عندي لونغ لوند فوالا عندي لوند لوند عندي لو بوان ديميسيون تاعي دونك جي اون لوند كي باركور لو بوان فوالا دونك لو ري يلحق لو ريفليكتور تاعي بوي vous avez une réflexion, vous aurez une réflexion. Une réflexion et vous aurez un temps de parcours, une onde qui arrivera au point B. La même chose ici, donc vous aurez une onde émise par le même émetteur, donc une onde émise, et vous aurez l'onde qui va parcourir, qui va se réfléchir et arrivera au point B. Donc là, il n'y a pas de problème. Pour ce réflecteur, il n'y a pas de problème. D'accord, Maya? Voilà. À coup, tu ferais. Pour ce réflecteur, il n'y a pas de problème. Mais imaginez que je veux déterminer ce réflecteur, ce deuxième réflecteur. Est-ce que cette disposition va me servir à quelque chose? La réponse est automatiquement non, puisque la source d'émission, l'onde émise ici en E est réfléchie en B. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de mettre un géofond tout près du réflecteur, un géofond bête, loin. Donc ici, peut-être que je peux avoir, de telle sorte avoir, C'est le même principe que avoir quelque, l'été. voilà, avoir quelque chose comme ça. Voilà. Avoir quelque chose comme ça. Donc il faut que, bien sûr, l'onde se réfléchisse sur le réflecteur pour pouvoir calculer l'inclinaison associée au réflecteur. Bien sûr, ici, vous n'allez... Ici, sur ce genre d'architecture, là, ce genre de disposition, là, c'est très difficile de mettre un géophone en opposé. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, soit le géophone ATI Njibo Kimashfna, Njibo tout près de Osumo, donc tout près de E. Donc, en quelque sorte, je vais placer le premier géophone en offset par rapport au point de tir et je place le deuxième géophone B très très loin. Loin, loin, de telle sorte à avoir une réflexion sur le deuxième réflecteur. Et à partir de là, je refais les mêmes calculs et je vais calculer un autre angle alpha 2 associé au deuxième réflecteur. Est-ce que vous arrivez à... Exercice 2.2 tiers. Allah mesmatek. Qu'est-ce qu'il peut faire pour exercice 2.2 tiers? Par exemple, E1, E2. Non, 2 points de tir. Je connais là-bas comme les exercices qu'on va faire, c'est en sismique réfraction. Les exercices en sismique réflexion, parce qu'on a là-bas comme. C'est Pour juste. deux sources. Là, les Mais deux pour sources. deux sources. Non, deux sources, non. Déjà qu'il te fait une seule source, c'est déjà pas mal. Physiquement, c'est difficile de faire une prospection avec deux sources. Parce que bah, les ondes émises par les deux sources vont s'interférer. L'interférence entre les deux ondes vont créer une troisième onde, et une quatrième, et une cinquième. C'est-à-dire que dans le domaine pratique, on n'utilise qu'une seule source. Alors, Dans le domaine théorique, on peut le faire. On peut le faire. Mais on peut utiliser par exemple une source, sur la prospection, dans le deuxième cas. On travaille par tranche. يعني نخدموا هاد لا زون نخدموا هاد لا زون يعني دون كاب براتيك نخدموا هاد لا زون قبل وين كاين البرومي ريفليكتور ومن بعد لا دوزيام زون من بعد فوزالي فيغ اون اوتر بروسبكسيون
pour la deuxième zone. Je sais pas si j'ai répondu aux questions. À votre question, les jeunes. Oui. Monsieur, c'est le même principe que l'électrique. À peu près, à peu près, à peu près, c'est le même principe. À peu près, c'est le même principe. Bien sûr, on aura de... Si on travaille pour proche, on ne peut pas travailler avec la D. C'est-à-dire qu'il faut que l'onde qui met l'électrique, il faut que l'onde arrive au réflecteur. C'est-à-dire qu'il faut que l'onde se réfléchisse. Il faut apprécier, il faudra apprécier la réaction telle le réflecteur. Donc il faut que l'onde arrive, il faut avoir une réflexion sur le réflecteur, là où on veut le réflecteur qui est associé à un point d'âge donné pour pouvoir calculer à la fin son point d'âge. C'est-à-dire que le temps d'arrivée, les géophones, comme en pratique, le temps d'arrivée de l'onde que vous allez pointer sur les géophones doit être affecté par la réflexion. Le schéma, par exemple, عندك par exemple je sais pas لو كان نعاود نقولوا الميم كا عندك par exemple هاوليك ان جيوفون ا هنا ان جيوفون ان اميتور une émission c'est un point de tir ici et vous avez un géophone B هنا et vous avez un géophone B هنا et vous avez par exemple quelque chose qui fait ça ما عنديش qui fait ça et puis vous avez un réflecteur بعد هنا vous aurez un réflecteur قول un réflecteur voilà vous aurez un vous aurez un schéma comme ça, voilà. C'est-à-dire que vous aurez par exemple, un affleurement. Vous avez une structure qui affleure en surface. La surface. Si vous choisissez cette disposition, c'est sûrement vous n'allez pas atteindre le réflecteur. Donc là, pour ce genre de disposition, vous allez seulement pouvoir vous allez seulement détecter ou l'appréhender ou apprécier ce réflecteur. Donc à partir de là, vous allez avoir ça. Donc vous allez calculer ici la profondeur H, bien sûr. La profondeur H, voilà. La profondeur H et la vitesse, etc. Mais pour pouvoir... pardon. Pour pouvoir... apprécier la valeur de alpha, il faudra soit deux choses. Soit déplacer quel dispositif tel comme Hada, vous le déplacez ici, soit vous déplacez le tout. L'émetteur Naya, B ici et A là, voilà, avoir ça, avoir ce genre de voilà, hop, voilà, soit vous faites ça, et A, soit vous faites ça, voilà, soit vous déplacez le dispositif. Voilà, c'est-à-dire que le camion vibro, vous allez le déplacer ici. Vous faites une prospection ici, puis vous déplacez le camion vibro, vous allez déplacer les gaps de géophone et vous calculez le point d'âge alpha. Mais généralement, lorsqu'on déplace tout un dispositif, ça a un coût. Alors, si vous déplacez le vibro size, vous déplacez tout le géophone, donc en quelque sorte, vous allez perdre du temps pour mise en place une nouvelle disposition, etc. Donc vous allez perdre du temps et le temps c'est aussi d'un gain d'argent. Donc vous allez perdre l'argent. Donc je dis fait le cas généralement je dis pour ne pas perdre de temps, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois toujours je place un géophone tout près de la source. Donc j'ai toujours un géophone tout près de la source. Donc qu'est-ce que je fais ici? Seulement, je vais déplacer seulement le géophone B. Donc, au lieu d'avoir B ici, je vais avoir B là. Donc, je vais le déplacer un petit peu plus loin, de telle sorte à avoir une réflexion comme ça. Pardon. Hop, de telle sorte à avoir quelque chose qui ressemblera à ça. Et je vais cette fois-ci travailler, pour ce deuxième cas, sur ce triangle. Donc, je continue. Hop, 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 hop. Donc, je vais choisir mon point fictif. Mon fictif, voilà. Voilà, hop. E prime ici, voilà, hop, E prime, et je vais travailler ensuite, pardon, voilà, sur ce deuxième triangle ici, je vais travailler sur ce deuxième triangle, voilà.
Je vais travailler sur ce deuxième affirmation. Est-ce que vous arrivez à voir les jeunes? Yep. Ça va, vous arrivez à comprendre le cas, le deuxième cas? Oui, monsieur. Ça va, si. Bon, c'est une réponse à la question de votre camarade. Donc, vous voyez que si vous avez des structures plus complexes, il vaut mieux les diviser. Il vaut mieux diviser. Si vous avez des structures AGDA qui sont très complexes, qui ont des pondages différents. C'est une question pertinente, mais c'est ce qu'on voit dans la réalité. Mais sauf que quand on sismique, il faudra diviser le problème. Donc, si il a des structures AGDA, la surface du sol, il a comme des structures AGDA, voilà, des structures AGDA, c'est-à-dire que vous avez deux structures avec des pondages différents, donc alpha 1 et alpha 2, voilà, et alpha 2, donc il vaut mieux diviser le problème. Donc je vais d'abord travailler dans ce domaine. Je vais d'abord travailler dans ce domaine, donc je mets mon dispositif dans ce domaine, puis après, voilà, puis après, je vais travailler sur le deuxième domaine. Voilà. Je travaille sur le deuxième domaine. Donc je place mes géophones ici, voilà. Si vous voulez choisir la même géométrie, donc vous les placez ici, et puis vous changez le tout. Changez le tout. Sinon, vous travaillez ici, voilà. Et pour le deuxième... Pour le deuxième domaine, il faudra simplement balancer un géophone au-dessus du deuxième réflecteur pour avoir une estimation du pondage dû à ce géophone. Bien sûr, il faut que la source d'émission aussi arrive de telle sorte à ce que vous aurez une réflexion sur le deuxième pondage aussi. Donc voilà ce qu'on fait pour les structures compliquées. Donc il faut les diviser par des structures simples. Donc il faut toujours simplifier les problèmes en sismique réflexion ou là en géophysique. En général, on simplifie le problème. Donc le choix du dispositif vous permet de calculer aussi des pondages différents. En tous les cas, les exercices, ça ne sera pas sur ce. Je coule à la balle, vous n'aurez pas d'exercice sur ce genre de. Déjà, même les. L'application, on va la faire surtout en sismique réflexion plutôt qu'en sismique réflexion. Donc, on va surtout, en sismique réflexion, on est en train de comprendre la méthodologie de calcul et comment on arrive à avoir les valeurs structurelles, les valeurs par défaut de nos milieux, c'est-à-dire la vitesse, l'épaisseur H et les pondages, si bien sûr, si les réflecteurs sont inclinés. Donc là, on a sinus alpha qui est égal à V au carré TB plus TA. Les jeunes, les poser la question le deuxième réflecteur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, monsieur, c'est bon. Ok, très bien, très bien. Oui, monsieur. Très bien. Donc, bon, on n'est pas sur le même échelle, ce n'est pas la même source, mais à peu près, c'est en électrique. C'est-à-dire qu'on change un petit peu de dispositif qui marque. On ne change pas de point de tir, mais on change un petit peu la position du géophone pour pouvoir avoir d'autres données. Bien sûr, j'en profite. À toutes fins utiles. Donc, j'en profite de l'occasion pour vous dire cela. Donc, en général, si vous avez par exemple des milieux compliqués à AGDA, le problème c'est que lorsqu'on fait une prospection sismique, c'est-à-dire que si on place un amateur ici, un point de tir ici, si on place un point de tir ici, voilà. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? La gappe de géophones, on place des géophones soit on place des géophones à gauche et on place des géophones à droite. Donc on place une gappe de géophones ici. Il faut le savoir. Hein. On place des gappes de géophones comme ça. Et puis après, c'est au choix. Donc vous pouvez par exemple choisir
si je fais appel par exemple à colonne, par exemple A1, A1, A2, ce qu'on appelle des gaps de géophone, A2, B1, B1, B2, B3, B3, B4, B4, etc. etc. C'est juste pour vous faire monter. Par exemple, vous pouvez choisir les temps d'arrivée. Les temps d'arrivée. Pour chaque géophone, vous avez les temps d'arrivée. Donc les signaux, vous pointez les temps d'arrivée. Donc par exemple, pour calculer ce pointage, vous allez choisir cette gamme de géophone. Cette gamme de géophone. Donc vous appliquez le. Vous allez choisir cette gamme de géophone. Hop, hop, pardon. Voilà. Pour calculer ce pointage, vous allez choisir cette gamme de géophone, Hadouma, les deux. Pour calculer ce pointage, vous allez choisir cette gamme de géophone, vous allez choisir cette disposition. Et pour calculer le pointage, vous allez choisir ça, etc. Donc vous voyez un petit peu le truc. Donc vous pouvez choisir, généralement on fait les prospections avec une lignée, avec ce qu'on appelle de longs profils, où on place plusieurs géophones, et puis vous pouvez diviser le problème. Donc deux géophones qui mèchent finalement, TBTA, les temps d'arrivée de deux géophones suffisent pour calculer un pondage. Par exemple, pour ce pondage-là, les temps de géophones de A3 et B1 suffisent pour calculer ce pondage. Et puis après, pour le cas de B1, B2, les temps d'arrivée de B1, B2 suffisent aussi, bien sûr, si vous prenez la deuxième disposition. Prenez en conséquence cette deuxième disposition et vous pouvez calculer le deuxième pondage et le troisième, etc. Donc ça, c'est juste pour vous faire montrer qu'en pratique, on a une gamme de géophones, une lignée de géophones, et après, pour calculer le pondage, vous n'êtes pas pour calculer un pondage. Si vous avez une inclinaison simple, donc vous choisissez les deux temps d'arrivée suffisent. Si vous avez un réflecteur incliné wahed, mais si vous avez plusieurs réflecteurs, avec des inclinaisons différentes, donc là, il va falloir décortiquer le problème et chaque donnée sur géophone vous donne une idée sur une réflexion ou là une inclinaison précise. Mais les lois à appliquer sont exactement les mêmes. Les lois appliquées, c'est exactement pareil. Donc vous n'allez pas développer des lois complexes, etc. Donc c'est un problème complexe mais qui peut être divisé en des problèmes plus simples. Voilà. Donc j'ai juste, c'est une réponse à la question de Nasser Waqila, il pose la question, la moussonné, ou la. En tous les cas, voici la réponse à votre question. Maintenant, si on se place, le katana, le kahada, donc si on se place dans cette morphologie là, cette disposition, je vais avoir à la fin sinus alpha qui va être égal à v carré delta t. Donc le delta t, c'est la différence de temps t1 de t moyen sur 4h x. Donc x, c'est la distance entre la source et le géophone, puisque les deux géophones sont symétriques, comme vous le voyez ici. Donc ea est égal à eb est égal à x. Donc, sinus alpha est égal à V au carré delta T fois T1 sur 4HX. Donc, ici, bien sûr, le 4H, on l'a à partir des données de l'offset. Et si bien sûr, si je choisis un modèle de vitesse, donc vous aurez la valeur de TE. Donc, vous avez TE, donc est égal à 2H sur V. Donc, en choisissant V et en ayant la valeur du temps d'origine, vous pouvez avoir H. Et la différence de temps, là. La différence de temps, on la contrôle. Donc, on l'a, c'est la différence des temps d'arrivée. Donc, les temps d'arrivée qu'on pointe sur les géophones. Donc, la différence entre les temps d'arrivée vous donne delta T. Et le T moyen, c'est TB plus TA sur 2. Donc, c'est le temps moyen. Et là aussi, pour ce genre de disposition, je peux simplifier. Pour ce genre de disposition, je vais aussi le simplifier. Donc, je vais placer le point A tout près du point de tir. Donc, je vais placer point A tout près du point de tir. Et si je mets ça, je vais avoir TE qui va être égal à 2H sur V. C'est-à-dire que j'utilise ici seulement
ce temps de propagation, c'est difficilement ce incident réfléchi, ce temps de parcours de l'onde. Donc je vais utiliser seulement ce temps de parcours de l'onde. Donc si je mets un capteur situé au point de tir, si je mets A au point de tir, je vais. Donc si XA, X, c'est-à-dire X, XA, XA tend vers 0, et si X, XB est égal à X, je suis toujours sur le. XB est égal à X, je vais avoir sinus alpha. Donc là, je vais avoir sinus alpha qui va être égal à V delta T, T1 sur 2 fois TE X. Donc je simplifie les calculs. Je maintiens. Maintenant, j'élimine la profondeur H. Voilà, j'élimine la profondeur du réflecteur. Alors, pourquoi j'élimine, à votre avis, la profondeur du réflecteur? Alors, à votre avis, je laisse l'angle alpha seulement en fonction des temps origine, de la distance et des temps. Et du delta TT1 mais et de la vitesse, à votre avis. Pourquoi j'élimine H? Pourquoi je tends à l'éliminer de l'équation? À votre avis, les gens, est-ce que quelqu'un a une réponse? Pourquoi je mets ça, je fais ça, à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une réponse? عباك سكات راهو شغل في الفار ويست. سي باسكو هو في بوان دو تير راهو تري بيان في كونفوندي البوان لي دو تير. في البوان دو تير بصح علاش كيل لي لوتيليتي؟ علاش ا فوتخ افي ا فوتخ افي بوركوا نقدروا ميم بوان دو تير؟ علاش الاش يجيني انت على رايك هكذا يجيني ولا ما يجينيش لو اش لا بروفوندور اش اي ليكا باسكو اش تبدل شيخ راهو بلان كليني ملتا تبع. تري بيان تري بيان اكسيلون فوالا هاو البروبليم. Le problème, c'est que H est variable, comme a dit votre camarade. H, Heilig. La distance H dépend de la position du géofond H. Il a le géofond H. Le A, H est égal à ça. Si, pour un réflecteur incliné, pour un réflecteur horizontal, on n'a pas de problème. Donc H est le même. Mais si vous placez A ici, ici, donc H1 ici va être différent de. Vous êtes d'accord avec moi, différent de H. Donc à chaque fois que je m'éloigne de A, l'épaisseur ici augmente. Donc H est en fonction aussi, H est en fonction aussi du pondage alpha. Donc en quelque sorte, le fait de mettre un capteur au point de tir me permet, c'est ça qu'il faut ça, me permet d'éliminer une variable. Donc ça me permet d'éliminer la variable. Donc, en quelque sorte, je remplace, donc, je remplace H par le temps E. Le temps E, je le contrôle, je le connais. Le temps origine, je le connais. Donc, par le temps origine TE. Donc, j'élimine l'effet de H. L'effet de H. Donc, sinus alpha ne va pas dépendre de H. Parce que le pondage, il est le même. D'accord, les gens. Le pondage alpha, il est le même. Que ce soit là ou là ou là. Le pondage, il est le même. Donc vous aurez le pondage qui est le même, que ce soit ici, que ce soit là. Pardon, le schéma. Donc si vous avez ça, voilà. Si j'ai un pondage comme ça, donc ça c'est le pondage les séminaires. Donc voilà. Donc si le pondage il est ici, voilà. Le pondage là. معليش نعاودو نقول التكست خير. فوالا هنايا باغ اكزومبل لو بونداج تاعي هنا، تبعوني مليح، تبعوني مليح. لو بونداج تاعي هنا فوالا، هذا هو هذا، فوالا هذا هو هذا. دونك لو بونداج تاعي هنا، الفا، ولا البونداج تاعي هنا، اي الي لو مام، ولا لا لي جون. الوغ كو لو اش، alors que H est différente. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que H est différente. Alors que H est différente. Donc le pondage, en quelque sorte, ne dépend pas de H, le pondage. H dépend. Il y a le problème inverse, il est vrai. H dépend. À chaque fois que H dépend du pondage. Donc à chaque fois que je m'éloigne, H varie.
Voilà, chaque fois que je m'éloigne, h varie. Mais le pondage ici, comme vous le voyez, ne dépend pas de h. Que ce soit ici ou là, le pondage, il est le même. On est sur le même, sur la même inclinaison. Le pondage est le même. Donc, il est plus souhaitable d'éliminer l'effet de h, comme vous le voyez ici. Donc, il est plus souhaitable de simplifier les formules. Hop, pardon. Voilà. Voilà. Voilà, de simplifier les formules qui m'accouchent au maximum. C'est-à-dire avoir l'effet du pondage en fonction de la vitesse v, en fonction de delta t, de tm, du temps moyen, de la distance x et du temps te qui est le temps origine. Voilà. Qui est le temps origine. Qui est le temps origine. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ah, les jeunes, si vous avez des problèmes, vous me le dites, les jeunes. Hein? Donc voilà, si vous avez des questions sur ça, relouez-les. Hein? Monsieur. Oui. Monsieur, on a fait un peu de temps parce que H, c'est le bébé. Ça a l'air pas une autre place. C'est eux, ils ont quand même des علاش باسكو هاوليك هنايا تبع ملاه تبع ملاه عندك هنا تي او فوا في تيغالا ا 2 اش هكذا دونك اش تيغالا كومبيان انا اقرا هاديك تبع ملاه تبع ملاه هنا دونك اش تيغال تبعوا لي جون اللي ما فهمش اش تيغالا كومبيان تيغالا TE, TE, fois, fois V, hagda, sur, sur 2, sur 2, sur 2. Donc, si vous remplacez cette valeur, si vous remplacez H par sa valeur, voilà, par TE fois V ici, voilà, là, voilà, si vous remplacez par ça, vous allez tomber sur cette équation, tout simplement. Allez, parce que H est égal à TE. Fois V sur 2, donc ici Hadi va être égal à 4, Hadi 4, je vais le faire, TE, fois V sur 2, vous êtes d'accord avec moi, fois V sur 2, il a ma femme touche relou les gens, non, Hagda, cher, on va dire, je vais donc on divise par 2. Donc vous aurez ici deux fois. Vous aurez ici deux fois. Deux fois TE fois V. Et puis vous avez le V carré et le V qui s'en vont. Donc vous aurez seulement V delta T TM sur deux fois TE fois, X. Fois X. Vous voyez? C'est bon, c'est bon. Ok. Merci. Oui, de rien. Oui, vous avez Ken Wahda, il voulait poser une question, non? Cher, on a TV égale à 2A, cher. Hmm. Chez télévision, TV. Hein? Hein? TV, TV, chez télévision, TV. TE, TE fois V. Temps d'origine fois la vitesse, c'est égal à 2A. Alors, Kemel. Là, la qui remplacé, t'as la Meltaht 4H remplacé, t'as B2 TE. Yeah. Ah, fois V, non? Et 2TE fois V, bien sûr. Fois V. V reste mal, V au carré. Ah, c'est bon, c'est bon. On va faire un truc. Donc, voilà. Donc, Hadj al-Mlihaf a l'équation qui m'a dit comme les gens. Tu peux aller, Mlihaf? Hadj al-Mlihaf, l'équation a dit, c'est que l'hina hum. L'équation, l'hina hum, ta H. Voilà. Ah, fais-moi, Mlihaf, l'équation a dit. Donc, l'équation a dit dépend du modèle de vitesse litme 2. Donc, V. C'est le modèle de vitesse, voilà. Donc le modèle de vitesse, donc qu'on donne. Donc on donne à partir des données géologiques. C'est là où intervient le travail du géologue. Donc c'est au géologue, c'est à partir des données. Donc V est fixé. La valeur de V, hein, V, la valeur de V. La valeur de V, c'est ce qu'on appelle le choix de vitesse, la valeur de V. Et c'est très très important, hein, parce que
le calcul de alpha dépend de la valeur que vous donnez, la valeur de V. Donc, si V, si vous donnez une valeur erronée de V, vous contrôlez sur des structures, par exemple, au lieu de parler de calcaire, vous allez parler d'argile, alors que c'est des calcaires, alors que l'inclinaison est associée au domaine calcaireux. Donc là, vous aurez des valeurs des valeurs de alpha qui seront erronées. Donc faites attention à ça. Donc la valeur de V dépendra des données de géologie, surtout. Des données de géologie ou bien ça peut être ou bien d'autres méthodes de géophysique, ou bien utiliser d'autres méthodes de géophysique pour avoir la valeur de la vitesse, pour faire le choix de la vitesse, ce qu'on appelle le choix. On appelle ça le choix de la vitesse. Choix de la vitesse. Voilà. Pour delta t, il n'y a pas de problème. Delta t et t1, donc c'est les temps, par exemple, de propagation, c'est le temps d'arrivée de l'onde, qui mèche les stations, donc un commis. Un géophone, par exemple le géophone A. Donc vous allez avoir un signal comme ça et vous allez pointer son point d'arrivée à la longue de par exemple. Voilà, donc vous pointez TA et vous faites la même chose pour donc même chose pour TB, donc même chose pour TB, etc. Donc là il n'y a pas de problème. Donc à partir des données d'onde, imaginez. Donc je pointe TA et TB. Voilà. Je pointe TB. Donc à partir des géophones. Donc je connais TA, TB. Donc si je connais TA, TB, donc je peux calculer delta T et T1. Bien sûr, cette fois-ci, si le capteur est situé au point de tir, donc TA est égal à TA, T0. Donc c'est le point d'origine. Donc il suffit. TA est égal à T0. Donc il suffit d'avoir. Il suffit d'étudier. La forme d'onde associée au géophone B. Donc, c'est-à-dire que d'apprécier seulement le temps d'arrivée de l'onde au géophone B. Voilà. Donc, je calcule delta T, calcule temps moyen. Donc, c'est TA plus TB sur 2. TE, c'est le temps d'origine. Donc, là, pour le géophone tout près de la surface. Donc vous allez avoir TB plutôt, TB sur 2. Donc TB sur 2 qui vous donne T1, qui vous donne le temps moyen, T1. Et vous avez le delta T, vous avez aussi le delta T qui est égal à TB moins, pardon, hop, TB moins TE, TB moins TE. Voilà. Donc en résumé, c'est vrai que les temps de propagation sont connus. Sont connus donc à partir des ondes, à partir de l'analyse des ondes sismiques. Donc je pointe mes temps d'arrivée de la première, c'est-à-dire la première arrivée de l'onde qui mentionne les cours précédents. Le x il est connu, le x c'est la distance entre l'émetteur, c'est-à-dire le vibrosize ou la source d'explosion et le géophone B et TE est le temps d'origine que vous calculez soit à partir du graphe, soit directement. Vous allez directement qui un chronomètre pour tâcher le temps d'origine, pour tâcher peut-être la vibration. Quand est-ce que vous avez le temps où l'onde a commencé à se propager, c'est-à-dire le temps d'origine de notre vibration. Voilà. Et à partir de là, vous allez calculer le pondage de votre réflecteur. دونك حنا كملنا هنا دونك il est bon il est 8h et demi. Donc on a 1h30. Si vous voulez poser des questions, je pense que la prochaine fois on continue avec les impédances acoustiques et le coefficient de réflexion. Donc c'est pas la peine de vous ajouter du travail en plus. Après on va voir ce genre de problème où on aura calculé ce qu'on appelle les coefficients de réflexion. Donc, on verra les réflexions des raies, mais aussi, on va parler aussi des coefficients de transmission. Donc, on va essayer de voir le phénomène de réflexion sur une interface et de transmission du point de vue de ce genre de coefficients. Donc, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Monsieur, Oui. entre parenthèses, les cours en flash à YouTube ou non? Flash انت اليوتيوب توجور راهم قالت ماك راهم قالت ماك
tous les cours sont. Il reste le dernier cours, Bak Mbandiro. Mbandiro, c'est Boitemak. Si vous vous abonnez, par exemple, vous aurez le compte Gmail, vous aurez des notifications. À chaque fois que je mets une Ousmo en temps réel, vous aurez la vidéo. Mais les vidéos, les cours des séances précédentes sont toutes enregistrées sur notre chaîne, hein, notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir les autres cours, vous les trouverez là-bas. Avec les dates, je connais les descriptions, les jeunes. Hein, vous avez les dates des cours et les heures des cours, etc. Pour que vous n'ayez pas de problème à réviser un bad. Ok, monsieur, merci. Ok, de rien. Donc, les jeunes, on s'arrête là, Lyon. Et on continue le samedi prochain, inchallah. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Alors maintenant, si vous avez des questions, vous me le dites. Hein. Monsieur. Oui. Roha, Abdelrahman ou l'Aïd. Take one. Roha, Aïd, roha, roha. Ma'alish. خياتي عبد الرحمن روح عبد الرحمن روح معليش راح هو بس وزادوني عطاتك الخط عايز اشكي انت تشكي الاول ومن بعد هي وي خلاص ابارامون ما كانش لي يشكي ابارامون Oui, c'est ma belle chose que je suis dans les examens, exact. Là, mais elle a balé, là, dans les examens. Elle a balé, normalement, les rattrapages pour les gens qui passent le rattrapage, c'est le 15, normalement. Le 15. Le 15, mais la date, le S2, mais elle m'a fixé. Ah, d'accord. Parce qu'on a le 23, quand il y a le 27. Donc, le loin du charrier. Mazal, normalement, là, il court déjà le 26, normalement, là, il court. Il est fixé le 26 là. Le 17, où je me le 17, le 17 juin. Ah oui, 17. Bon. Même en ligne, même les. Même en ligne, c'est le 17. On marque pas après. Et ok, donc il nous reste pas beaucoup de problèmes. Donc on va essayer de. La semaine prochaine, on va essayer de prendre non pas 1h30, 2h. 2h, on va essayer au moins de définir la semi-réflexion et de démarrer le problème de réfraction. Oui. La semi-réflexion, ma tâche, gaffe l'examen. La réflexion, t'es là, au champ de l'égard, tu m'as dit le bâton là. Donc, mais vous aurez des questions de cours, non pas des exercices. Vous aurez des questions de cours sur ça, de compréhension, au champ de Vous êtes fermé à peu près, vous aurez à peu près, on est sur le même état d'esprit que Madassan. Donc vous aurez des questions de cours. Et si, bien sûr, je vais essayer de vous donner un exercice, au moins un exercice en sismique réfraction. Donc c'est des choses plus simples. Et on va voir. Si on arrive à faire un exercice, ben tant mieux. Si on n'arrive pas à faire d'exercice, ben on va essayer de faire que le cours classe. Hein. Mais normalement, si on place deux séances la semaine prochaine, deux séances de 2 heures, parce que quand même la réfraction. Donc il n'y aura pas de. Monsieur, l'examen de Marah, il connaît plus de questions théoriques à la Hsabat ou la Kima S1. Non, je suis en train de faire des mais il faut savoir comment on fait les calculs. Je suis en train de faire un exercice à la. La simique réflexion, mais il faut avoir des notions de base. Non, des questions sur le cours, ta théorie, mais la cache. Ça se peut que ce soit des questions de cours, ou ça se peut que ce soit des questions de cours directement. Donc, je suis mais elle m'a remis le sujet, mais ça sera des questions de cours de compétence en général. Normalement, il n'y a pas de problème. En plus, on a un audio qui est un peu donc il n'y a pas de souci. Donc, normalement, vous ne serez pas pénalisé par rapport aux problèmes les plus complexes ou aux problèmes ou au fait que vous êtes en distanciel, mais non en présentiel. Oui. Concernant le cours,
لو كور ما سمعتكش اللي قلنا دوكا قلت لنا حنايا دونك جيولوج حنا اللي نقولوا حنا اللي نديروا مثلا نديسيدو لا فيتيس اللي يمشي بها لوبسير سي سا نتوما سي لا فيتيس دو كوش نتوما سي فو سي فو كي استيمي لا فيتيس دونك فهم كيفاش تستيمي لا فيتيس عندك هنا ساهل دوك حنا ولي جيولوج نورمالمون نتوما اللي تقولوا لي ماشي انا جيولوج بصح هذاك لوبسير اللي حنايا نبلاصوه هنا اللي نقولوا كيفاش لا فيتيس اكيد حوسين فوالا اكيد حوسين كوش هنا ينكوش هنا كوش هاي هنايا فوالا عندك ينكوش هنا ينكوش جيولوجيك باغ اكزومبل عندك هنا ديزاليفيون هنا عندك ديزاليفيون اي فو فولي افواغ اون ايدي سور سور لا فيتيس دو سيت كوش كيسكو فو فات اون جيولوجي انت راكي هنا نعاودو نولو الجوار تاع المولودية هذاك تسمى هكذاك هكذاك نعاودو المولودية عاودي تاع المولودية هنا بون هو ما يعرفش يكالكولي اسمو لي فيتيس تاع المولودية بصح نديروه مسكين معليش نقولو طحنا في ان جوار تاع المولودية لي جيولوج يعرف واحد مولودية بصح مخ كيفاش دير انت تبعو على حساب وسوي تبعو على حساب لافليرمون تاعك اون سيرفاس بس جينيرالمون لي جيولو ا بارتي دو لافليرمون الجوار تاع المولودية هذا يديبلاسي روح هنا يدي معاه المارطو تاعو يدي معاه المارطو تاعو فوالا ايسي سي اي اي فو فات دونك سا سي اون ميثود عندك المارطو تاعك هنايا فوالا يبدا يخبط ماشي يكسر يبدا يخبط يبدا يخبط يخرج كزاف تاع الجزائر يخرجوا هنا Ok, donc à partir de là, vous aurez une idée sur la vitesse de sur la nature de la roche qui affleure. Donc la nature de est-ce que c'est des calcaires, est-ce que c'est une dominante calcaire, dominante argileuse, etc. Donc vous le dites. Donc soit vous faites comme ça, donc vous suivez les indices qui vous donnent une idée sur les couches qui sont au-dessous. Et vous estimez, vous donnez une estimation de vitesse. Bien sûr, le travail géologique il est plus complexe. C'est-à-dire qu'après, il va falloir analyser l'échantillon en laboratoire, la mince section polie, etc. Et estimer, avoir une estimation sur la nature de la roche qui est enfouie. Ça veut dire que ça dépend aux gens qui restent plus. Mais qui n'a pas la couche terrélique en fait, lui. Mais c'est magique. Désolé. Ça dépend à l'onde réfractée. Là, mais c'est magnifique. Il y en a un fou. En fait, qui a l'offset. Ah. Il y a des ondes. شوف يتبع مليح تبع مليح سي تادي كو لا بور لو شوا دي فيتاس ما لازمش تخلطي ما تخلطيش مع لا مع لا مع لا مع لا تكنيك دو بروسبكسيون لا فو فات با دو لا بروسبكسيون سيزميك لا جو فو دون اون ايدي sur le comment calculer cette vitesse, comment estimer. Si on ne la calcule pas, comment donner la valeur de la vitesse. Donc ça, pour donner une valeur de vitesse, donc soit vous avez des méthodes, soit vous faites de la géologie de terrain et vous dites que عندي من نقولوا من 1 كيلومتر ولا من 100 متر حتى 2 كيلومتر تقول لي زعما نقولوا à peu près في الدومين تاعي في البيان تاعي تقول لي باغ اكزومبل في البيان j'ai par exemple j'ai des calcaires voilà j'ai calcaire à dominante argileuse par exemple dominante argileuse voilà c'est un exemple là hein. Donc imaginez que votre réservoir est l'albien donc le réservoir tu as comme nous Sahara par exemple le réservoir marche l'albien ça le réservoir est beaucoup bête à l'albien au précambrien par exemple, Agda, les Cambriens, Cambriens par exemple, on dit des roches sont associées à des roches métamorphiques ou du métamorphisme, Agda, roches métamorphiques, voilà. Vous avez du métamorphisme d'ailleurs, ou là vous avez du domaine qui est près du Jurassique. Donc là, la vitesse n'est pas la même. Donc la vitesse, les Tmedouana ou les Tmedouana, sont pas les mêmes. Les calcaires à dominante argileuse, les dans le nord à l'Algérie, le domaine de l'Albien, comme il y a un réservoir sur l'Albien, n'aura pas la même vitesse que dans le précambrien. Donc le choix des vitesses dépend de la géologie. Bien sûr, dépend de la géologie, dépend de ce que vous cherchez, la profondeur de votre réflecteur, la profondeur de votre gisement, etc. Donc faites attention à ça. C'est-à-dire que lorsque vous donnez... Est-ce que nous pouvons savoir la nature de la couche qui est en train de se faire la troisième couche qui est en train de se faire
شغل اسكو نقدروا اون بو ديدوير هاد لا ناتور تاع لا كوش تاعنا سي عندكم عندكم ماشي فو فيت دي زيتود ليتولوجي فو زافي دو لا ليتولوجي سوا فو زافي دي فوراج سوا فو فيت دي فوراج سوا فو زافي دي دوني دو فوراج ولا فو 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 زوتيليزي دوت ميثود دو جيوفيزيك بور كالكولي باغ اكزومبل لا غرافيمتري ولا لا ولا لا 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 مانيتوميتري دوت ميثود دو جيوفيزيك كي فو دون اون ايدي سور لو ou soit vous estimez de votre expérience qu'un des géologues expert mais qu'un des nous avons sur le terrain des géologues il sait ma quelle est le gars l'électrique ou ma quelle est la prospection je vais dire à la belle ou le bien par exemple battre à la belle ou à la belle à quelle profondeur là à la belle ou le bien budget à quelle profondeur etc est-ce que vous comprenez mais je sais qu'un des coups je n'ai pas besoin de les couler ماشي تلحقهم كيما نقدرش نلحق على هذيك لاكوش نقدر نجبد شنو هي رانا تيغ تاع هذيك لاكوش غير بلي زون د كيشي لي جوني لا تقدر تعرفي لا سوا با دي زيتود دو سيرفاس سوا با دي زيتود دو سيرفاس سي تادير كو زي فيت دي زيتود جيولوجيك سوا با دو فوراج تانيك با دو فوراج دو فيت دي فوراج اي فو استيمي فو استيمي فو دوني اون فالور موين تاع لا فيتيس كيما شفنا شتيك لي domaine où on a plusieurs couches, vous donnez une valeur moyenne à la vitesse. Les choses sont très très hétérogènes. Donc vous donnez une moyenne à peu près. Donc le choix de vitesse joue un rôle. Mais à la bonne des vitesses des couches à 1000 mètres ou à 2000 mètres ne sont pas les mêmes. Parce que les formations géologiques ne sont pas les mêmes. Donc votre choix de vitesse va être crucial. Voilà. Je ne sais pas si je lui ai répondu. Après, bien sûr, pour calculer le signe, le pont d'âge, etc. Et puis vous. À partir des données de sismique réflexion, vous allez restituer les pondages alpha, etc. Et bien sûr, les pondages et aussi les épaisseurs de votre couche. Voilà. Donc, tu mets une vitesse, par exemple, la couche, vous allez restituer l'épaisseur de votre couche. Bien sûr, tout reste tributaire de votre choix de vitesse. Le modèle de vitesse, la vitesse moyenne. C'est que d'autres méthodes géophysiques peuvent vous aider, mais aussi si vous travaillez par exemple les zones nord de l'Algérie où il y a comme des séismes, les sismologues peuvent vous aider parce que les sismologues à partir des séismes développent des modèles de vitesse. Ils peuvent vous donner un modèle de vitesse pour choisir la meilleure vitesse à la profondeur donnée. Voilà. Okay. Donc vous avez plusieurs combinaisons pour. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être défini à partir d'une méthode. Donc il y a plusieurs choses. Vous pouvez combiner. Il y a votre expérience de géologie avec les données de sismologie, avec les données de forage, combiner pour arriver à restituer la bonne vitesse. C'est-à-dire la vitesse avec la moins d'incertitude possible. Mm-hmm. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah oui, à peu près. Très bien, à peu près. Ah, c'est bien que là, à peu près, on a. Monsieur. Oui. Oui. Monsieur, pour les photos, tu as le matériel ou qui fait chier affiché ou la feuille, ça doit. Comme bien sûr. La prochaine fois, on qu'il me dit. Je suis obligé de répondre à vos questions. Je suis obligé de répondre à ça. Mais. Mais j'ai dit comme quoi, j'ai dit comme des exemples de Ousmo, des Monsieur, le matériel au gain, fait mon frère, monsieur. شوف انا اليوم وجدت لكم باش تشوفوا باش ما تقولوش شكون على بالكم je vais vous montrer qu'est-ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui mais la galle ma kemmelnash le ma lhaqnash le cours mais la prochaine fois inchallah si on avance parce qu'il y avait des questions il faut répondre aux questions tanik. Je vous ai ramené une coupe sismique là, que tu veux faire. Ah, la coupe sismique. Ah, une coupe sismique. Après, on va l'étudier. Donc, voilà une coupe sismique. Je ne sais pas si vous arrivez à. Vous arrivez à la voir, les gens. Que tu veux faire. Voilà. Ah, Edman. Donc, après, on va interpréter cette coupe sismique en termes d'amplitude de l'onde. Ah, l'amplitude de l'onde TNA. وين بدل كل شيء كنت شوفوا هنا بلي شوفوا هنا كيفاش راهو الريفليكتور اي بي vous avez quelque chose ici voilà vous avez un réflecteur là hop vous avez un là voilà vous avez des pondages variés là شوفوا voilà donc vous avez une couche avec une autre vitesse هنا donc le réflecteur تاعي نشوفوا مليح شوف l'image elle est nette voilà شوفوا كي كون le réflecteur تاعي مليح
c'est-à-dire le contraste de vitesse T1 qui est élevé. Voilà, il est élevé. Par rapport à une image où on a un réflecteur qui n'est pas bien. Tu vois, l'image elle est floue. Je Donc vous voyez, après on va interpréter. Donc je vous ai concocté ça. Voilà, hop, pardon, je vais essayer de. Voilà, voilà. Donc ça c'est un exemple de. C'est un exemple de terrain. Juste comme Alger. C'est une coupe, étant une coupe radar, c'est un peu la sismique. C'est à peu près la même physique. Donc on utilise des propagations d'ondes radar, la réflexion d'ondes radar. Donc les traitements sont exactement les mêmes. Donc ça c'est une coupe, c'est une coupe. Et il y a une coupe sahel. On a juste dame, juste ma bin Alger ou le profil d'être dame bin Alger ou Tipaza. D'ailleurs on a Burk. Donc vous pouvez associer ça à un profil sismique. Je ne sais pas pourquoi aller. Voilà. Donc nous quand on a la coupe deuxième terre, on a elle est chauffe. La coupe terre elle est. Donc on voit le, on a chauffe l'horizon terre, chauffe. On chauffe l'horizon terre, on le voit. On voit qu'on est vraiment sur des cas où on a de la contraction. Là, vraiment, on voit que on voit les piliers. On chauffe les piliers. Là, chauffe. Si je change par exemple de couleur, je chauffe les highlights. Donc on voit bien les, on voit bien la différence. Bien là, on a que chauffe la différence. Là. Donc vous avez quelque chose là, et puis vous... là, bien sûr, on peut pas savoir parce que là généralement c'est des couches où on a une onde qui est piégée. On va chauffer à blanc. Mais là, on voit très bien la différence ici entre ce niveau et celui-ci. Et on chauffe la réflexion là. On voit qu'on est vraiment à côté d'un très très bon réflecteur. Après, on va l'étudier ensemble. On voit que l'amplitude de l'onde que tu vois ici, donc là, on est sur des réflexions maximales ici. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui donne sur une structure géologique qui est un très très bon réflecteur ici. La même chose ici, donc on continue et on voit ici. Donc là, on peut avoir des failles. On va les étudier ensemble. Je vois quelque chose. Mais ils font que les uns qui me l'ont. Voilà. Donc voilà. Vous voyez que qu'il y a des exemples. On a des exemples aussi moi. Donc il faut pas avoir peur. On a des exemples de terrain. Donc. Voilà, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. On va essayer de pour essayer d'interpréter ça. Il faut parler de coefficient de réflexion et de transmission pour pouvoir. C'est juste pour vous montrer, Barker, pour pouvoir. Donc j'ai envisagé d'aborder cet exemple aujourd'hui, mais puisqu'on a eu des questions, donc il fallait répondre. Donc on s'est attardé un petit peu sur des choses où on aura besoin de bête. Donc on s'est pas attardé avec la battle. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de donner un boost au Kimeloul. Kimeloul le chapitre de cosmique réflexion. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, خليكم تروحوا. S'il y a des questions, خليكم تروحوا. C'est bon les gens, non? Est-ce qu'on termine pour aujourd'hui? OK. Donc les jeunes, très bien, on m'a sonné مدنا الفافر باش نحبسوا. Donc chacun, كل واحد يروح بلاصتو دوك خلاص. Donc les jeunes, je vous souhaite une bonne nuit et voilà, à samedi prochain inchallah. Au revoir, à la prochaine. Sahito. Merci, au revoir. Monsieur, vous parlez de notre nom. Nahar, en présentiel. Voilà, en présentiel, j'ai une réunion avec les collègues géophysiciens. Donc on a une séance de travail. Et le problème présentiel, il n'est pas que nous allons parler de notre nom. Nous allons parler de Non, parce que نهار الاثنين هاد السمانه نعاودو نولو اون بريزونسيال ما فهمتنيش حبيت نقول لك باسكو علاش عندكم معايا بريزونسيال بدا بتنين يس هاي ما جانيش البروغرام ما عطانيش البروغرام وسمو كيما قرينا عندك قبل سيل فو بلي لي جون باتو لي البروغرام ما عطاونيش البروغرام على باكم مزيان قلت ليه مزيان باسكو كما نبلوش كما بلاني تاع دونك عندنا دونك يتسمى عندنا 2 semaines de présentiel هكذا كما لو اوكي دونك سا طوم بيان نو اون سيمان با 2 semaines هاد الخطره شي سيمانه نحاولكم شويه شغل الماء شغل السيال نحاولكم نقطع لكم نقص لكم في الموسم نقطع معليش اون سيمان معليش مع الميم اون سيمان مليحه نوغاد اون فان انتيراجير انصامبل
Donc, à partir de samedi, avec les jeunes, de samedi, Mbdaou. S'il vous plaît, les délégués, hein, Sabrina, Wardat, Tanik, Meloud ou Sama, ou Mftahi. Mftahi, bon, je ne sais pas. شوفونا ان اوتر هيدروجيولوج monsieur pas le samedi, le samedi c'est férié le 12 ايه alors c'est à partir de dimanche samedi العرس تاع وانا samedi samedi تروحوا تفوتيو على على واسمو على على دونالد على الدعاء واسمو دونك نارسب الفوت دونك ça vous fera une journée de repos le samedi. Donc on démarre le dimanche. Mais j'ai pas le planning, s'il vous plaît, envoyez-moi bac, bah tous les bacs le. Ah non, monsieur, on a des lundi, mon chance, la chance. Trois groupes, mais bateau me par email, c'est mieux. Bateau le programme. Programme, parce que lundi, là, sur cette séance, vous êtes hydrogéologue, bassin et pétrologie. Donc s'il vous plaît, c'est pour les délégués, essayez de m'envoyer les pour chaque section le planning des cours pour la semaine prochaine. Comme ça, je vais m'organiser et on va essayer. Donc, la semaine prochaine, on fera des cours en ligne. Voilà. Donc, on continue déjà. Hein. Donc, on aura notre data show. On met off là. Alors, le samedi, Makesh. Samedi, Makesh. Le samedi, tu as voté le samedi. Non, monsieur, mon vote, je n'ai rien. Là, je vote à Fiddar. Vote par le cœur. Par le cœur, vote. Capable de connexion créée la dernière. Voilà. Ah ben, c'est sûr. Hein. En tous les cas, le samedi, c'est vrai, le samedi. Anna, si vous voulez, ma balèche, Anna, balakini, je vais aller voter. Anna, ma balèche, Anna, je fais qu'il est libre, ma brasco, je vais aller voter. Mais, je vais dire que le chèque, ma habche, je vais donner le habsou. Je vais dire que le massa, tu as l'offre. Donc, voilà. Monsieur. Exactement. On fera les exemples en présentiel. Ok, donc on aura le cours de samedi ou la semaine à l'étanec en présentiel. Ou je s'il vous plaît, les délégués. Un exercice en présentiel. Un exercice en dire, bien sûr. Qui est-ce que je pense pas que ça sera pour la séance présentielle, mais la semaine d'après. La semaine d'après, donc le cours, soit le 19, soit le 19, on dirait l'exercice, ou le 23 juin. Voilà. On va voir. Inch'Allah. On va voir. OK. 23, bien sûr, à l'heure de l'examen. Sinon, on y a une séance, ou on dirait faire un exercice. On y a une séance. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vais me débrouiller pour vous faire au moins un exercice. Monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, lundi, est-ce que tu peux faire les quatre groupes en même temps? Je vais dire 2 heures. Je vais faire 1 heure, 1 heure. Le lundi? Oui. Le lundi, excusez-moi, je n'ai pas le planning. Le lundi, je suis qui est là? Qui est le, normalement, troisième, quatrième groupe, le premier, ça. On va le premier groupe, le deuxième groupe, le tsa'a l'achara. Le tsa'a l'achara, on va le 10 à 11. Ah, c'est plus mettre par les ساعة قرينا 2 heures كامل لي غرو voilà انا je peux même si c'est bon comme les TP الاخرى هنا il faut pas ابعثوا لي البلانينغ s'il vous plaît ابعثوا لي البلانينغ باش نشوف باش نعرف لازم نشوف لو بلانينغ تاع كاع لي تاع كاع لي سيكسيون هيدرو ابعثوا لي البلانينغ تاع هيدرو باسين و بيترولوجي après je vais voir. Si je peux vous arranger, si je peux arranger un créneau qui peut englober tout le monde, je vais le faire. Sinon, on laisse la tel qu'il est. Dis-le-moi que déjà. Ok. Batouli, s'il vous plaît, le planning. Gamme Tinsauge. D'accord. Ok, Batouli, le Mellou, de la.
ومن لود من لود صابرينا وناسيم و واسمها مانا المفتاحي، ميم سي مفتاحي ما تكلش عليها باسكو عندها دي بروبليم دو كونيكسيون، عندها دي جورنال فوالا. دونك شوفوا كش واحد اخر مع بور لي هيدروجيولوج، ان اوتر ان اوتر بيرسون كي بو مونفوي اوسي لو بلان. اوكي لا جوني ما نديرو هكذا. اوكي ان شاء الله صحيتو. Allez, voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Redon, Inch'Allah, Saha. Salam. Au revoir.